Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Heroes Hour. On se retrouve pour la suite. Alors j'ai un petit peu regardé, j'ai un peu programmé mes déplacements, donc clairement, elle, ou enfin lui, je sais jamais si c'est elle ou lui d'ailleurs, on va dire elle, hein. Va débarquer, monsieur je pense que c'est lui, mais enfin peu importe, va débarquer et essayer de poursuivre le héros rouge histoire de l'achever. Lui va prendre un bateau et fuir pour ne pas se faire écraser la tête... quitte à perdre Eskilgard, tant pis. Et lui va fuir en bateau aussi, rester dans un petit coin en attendant que j'arrive à récupérer le fort elfique et à les revendre pour se faire un max de thunes et recruter à mort ici. C'est ma stratégie du moment. Donc on est parti pour débarquer là. Lui, on est parti pour aller là. Et par contre fuir, hein, parce que là on va pas se refaire avoir encore une fois comme la première fois. Là c'est difficile par là, on va juste... on va pas aller très loin, on va aller par là, voilà. Donc c'est à peu près sécurisé. Et enfin avec lui on se barre assez loin aussi. Faire ça au passage si tu te fais pas battre. Et on met fin au tour. Bon là lui je pense qu'il va nous poursuivre, d'accord, ok. Bon bah très bien. Putain on peut pas fuir, fait chier. Voilà, on va essayer de les pousser un peu à l'eau mais bon. Ouais quand même. Hein. J'aime bien ce sort sur les bateaux, ça repousse un peu tout le monde, c'est rigolo. Je pense que je vais en remettre un si je peux. Ah non, 14 de mana, ouais non ça coûte beaucoup trop cher. On va attendre un peu. Ah c'est pas si évident hein, comme combat hein. Alors moi je dis ça mais bon ils sont... Ils ont aussi des renforts, je pense. Alors, animation des morts. Tac. Voilà, on va gagner quelques zombies qui vont combattre pour nous. Et on est peut-être même sur le point de gagner, en fait. On a totalement gagné. Je sais pas si c'est grâce à mes comètes du début, mais... Allez, bim! Succès déverrouillé, triompher d'une armée de difficulté quasi impossible. Il y a des... Il y a des gens qui attaquent ma caravane, bah ça m'arrange. Allez, on fuit, voilà. Ouais, allez-y. Hop, on va fuir aussi. J'ai pas envie de perdre de temps avec ça. À la limite, ça m'arrange. Hein. De toute façon, elles sont buggées. Bon, bah bien content de... D'avoir gagné avec lui, hein, clairement. Alors. Non, on est niveau 4, on peut pas aller plus loin. Niveau 22. On gagne du déplacement. Un autre sort d'invocation. Pourquoi pas. L'apprentissage. Ça, c'est de la merde. Ouais, ça, c'est pas mal quand même. Alors le héros rouge, où est-ce qu'il est? Ok, il est allé à son château. Il a raison, hein. Ça va pas le protéger, cela dit, mais bon. Bon là, il y a quelqu'un de quasi impossible, donc non. Par contre, on va pouvoir rentrer chez nous, et ça c'est une bonne nouvelle. Et on a un peu de sous, donc on va pouvoir recruter en plus. Lui va continuer de découvrir tranquillement ce qui se passe. Et on va aller faire notre combat principal qui va mettre fin en plus à la semaine. Donc c'est très bien, ça me permet de recruter après. Et ça c'est cool. Alors, ah, punaise. C'est chiant qu'on puisse pas tous les...
J'espère qu'il y aura des petites améliorations d'interface. C'est tout ce que j'aimerais bien sur le futur du jeu. Là pour le moment, hop 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 hop, on prend ça. On prend tout le monde. Je vais faire comme l'autre fois, hein. Je vais mettre des Yetis un peu partout. Ça avait super bien fonctionné plutôt qu'en faire des tas. Forcément, ça étale le front. Cas, moi j'avais l'impression. Peut-être que je me trompe, mais. Je trouve que c'est bien parce que chacun fonce en avant, ils attaquent, ça fout un peu le bordel. Donc là, on a quelques oiseaux. Je voudrais aussi. Oh ouais, on va mettre tous les archers. S'il accepte de me prendre tous les archers, moi je mets tous les archers. Hein. On supprime en deux ici, deux là, ça fait un petit peu de soutien. Ensuite, on fait pareil avec eux pour avoir un peu de corps à corps. On en met la moitié là, la moitié là. Bon là par contre ça fait trop. Ah que c'est chiant. Voilà. Et toujours pas. 1, 2, 3, 4. C'est parti! Plus on a plein de mana. Mais là clairement les Yetis je pense pas qu'ils vont pouvoir y tenir. Hein. Qu'est-ce qu'on a, c'est un berserk? Ah! J'ai bien envie de tester ça, tiens. Ça les oblige à s'attaquer entre eux. Allez-y, tiens. Bim, attaquez-vous entre vous. Armée de géants, ouais. Est-ce qu'on commence à en avoir des sorts? Hein ah, je suppose, oui. Il y en a encore. Brasier infernal. Hein. Fusil de 4 toutes les unités, ouais, non, ça j'aime pas. Petite zone. Allez, on va leur faire des dégâts à eux là. Je teste un peu hein, au passage. Une fois de plus, hein, on est en train de les écraser. Hein. Ça marche bien, hein, le front de Yeti, franchement, contre les châteaux, je trouve que ça fait le taf. Hein. Ça pète dans tous les sens, tout le monde rentre de partout, du coup à l'intérieur ils savent pas du tout quoi faire. Moi j'aime bien la technique. On va pas utiliser plus de magie que ça, on va en garder au cas où. Rien qu'avec ça déjà on devrait pouvoir y aller, on va pas se prendre trop la tête. Je sais même pas si ça vaut le coup de mettre de la magie parce que là normalement voilà. Bisous. Voilà. Excellent, c'était long. Mercenaire, c'est Cthulhu quoi. Cthulhu en héros, mais ça déchire! Ah, mais il est trop bien, j'ai envie de le prendre. Et je vais le prendre. Non, mais Cthulhu en héros quoi, c'est tellement bien. Rituel du fléau quoi. Oh, Cthulhu fut un des Litonix qui rejoignent le rang garde du corps niveau 5. Il est pas mal, hein, perso de base hein, quand même. Trop bien. Est-ce qu'on avait des unités recrutées? Non, il a tout recruté, forcément.
Alors bon, on va juste aller prendre les ressources avec lui, bien sûr, hein, parce qu'il va pas faire grand chose d'autre pour le moment. On a pas assez pour recruter et des héros et... Alors je sais pas si... Ah putain, on a le rose qui est là. Ok, va falloir recruter à mort. J'ai jamais fait autant de héros, je déteste ça d'habitude d'avoir plein de héros, mais bon là j'avoue que ça fait plaisir. Vas-y, vas-y. Pourquoi ils sont tous devenus ça? What? Sélectionner un droit ciblé puis créer une explosion à leur arrivée. C'est sympa ça. Mais toutes les créatures de l'armée deviennent des élus du fléau. Chaque rang supplémentaire augmente de 5% la vitesse de l'attaque des élus du fléau. C'est trop bien. Par contre, ouais, j'avais pas prévu ça, mais pourquoi pas. J'avais pas vu qu'elle faisait ça par contre, mais effectivement elle a créé tout le monde en truc du fléau. Du coup facile le combat, ah bah c'est bien ça. Très très bon concept, j'aime bien. Et que Toulouse fait pareil j'imagine en fait. Ah, intéressant, intéressant. J'aime bien l'idée. Bon, ça commence à faire beaucoup de héros à gérer par contre. Ouais, donc moi j'aimerais bien aller attaquer ce château là maintenant. Tant qu'on y est avec notre puissance légendaire. Si le rouge n'a plus de château, ça va commencer à sentir la défaite pour lui. Et du coup, bah, je pense que là, on va y aller. Hein. Allez, on va aller tester tout ça. Créature du fléau, là, c'est trop bien, ça. Alors, par contre, je connais pas trop, moi. Donc, je prendrais bien E, effectivement, pour commencer. E. Ah bah, ça y est, si on prend E, on a tout. Peut-être commencer tranquille. Et après, on va amener des renforts. Berserk, allez hop, comme ça, eux, j'aime bien ce sort, ils vont tous attaquer entre eux. Ça nous permet d'arriver tranquillement dans le combat sans trop se mettre de pression. Et ensuite, alors comment il marche ce sort? Un jour tendance, je t'apporte un groupe d'unités alliées à l'endroit ciblé et crée une explosion à leur arrivée. Ah c'est ça, donc du coup par exemple genre je prends E, je les mets au milieu là et BIM! Ça fout la merde, ok, j'aime bien l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chaos, affecte les unités, les objets à s'éparpiller sur le champ de bataille à devenir désorienté. Ok. Oula! Oula, il a fait un dégât à tout le monde, d'accord, ok, j'ai compris. Bon, on va envoyer des renforts. Hein. Pourquoi défaite? Mais pas du tout! Ah, il y a un truc que j'ai pas compris là. Qu'est-ce que la. Pourquoi défaite? Alors. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, j'ai toujours une idée derrière la tête. Hein. Ok, t'as level up toi, c'est très bien, je fais des citations. Nouveau sort d'incantation, pourquoi pas. Tu vas enfiler le 7. Et du coup, on est d'accord que ça te permet de recruter quand même des unités. Bon, déjà, non, même pas ça, ça ramène une armée tout court. Me dis pas que t'as pas de quoi le battre quand même. Moyen. Ouais bah attends, on va arranger ça. On va être deux comme ça déjà. Putain, tu vas me dire qu'ils ont pas de marché eux? Si, tout le monde a un marché, c'est obligé. Ah, ils ont pas... Si, ils ont un marché. Il est là, je suis bête. Tac, tu vas me revendre 3 unités comme ça. Ok.
Et avec ça, on va acheter un comme ça. Et plein de comme ça. Et là, on devrait être pas mal. Facile. Nickel. Bon, ça par contre, c'est effectivement. C'est vrai que là, il y a peut-être de la place maintenant. Je crois que nous, on a elle. Ah ouais, par contre, faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas tout compris en fait. Hein. J'ai pas compris la défaite alors que j'avais encore plein de renforts, mais admettons. Allez, fin du tour. Tour du rouge m'a l'air rapide. Ouais. Il vient juste de recréer un héros, je pense. Je pense qu'il en avait plus sinon. Donc là, normalement, si on se défend contre les roses et qu'on finit les rouges, après, on devrait pouvoir s'occuper tranquillement des roses. Bon, le rose a fui. Déjà, ça, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, il y a un héros, je le vois pas. Si je prends L, facile. Parfait. Tant mieux. Viens prendre ton bateau. Bon, c'est pas en 2 secondes qu'on va y arriver, hein, mais on va prendre notre direction. Ok, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bien, déjà, toi, prends ça et ça, c'est toujours ça de pris. Et comme ça. Aider comme ça. Tout doux. Ouais, on verra ce qu'on en fait. Ok, elle récupère tout ça. Il reste dans le coin. Il se balade. Toulou, qu'est-ce qu'il va faire lui? On va chercher des objets, ouais, on va aller faire visiter les petits bâtiments qu'il y a dans le coin. L'elfe, pas grand-chose de plus. Parce que ici, ce que je voulais acheter, mais je l'ai pas encore, c'est l'antiquaire. On va faire le château avant. Château, c'est 2000, plus du bois. Bien, bien, ok, c'est noté. Faut que j'y pense par contre. Ok, il est en train de faire plein de héros, mais en général, quand on revient à son château et qu'on fait plein de héros, c'est pas un bon plan, parce que ça veut dire que nos héros. Après, il en a peut-être un qui était balèze, hein, que j'ai pas vu dans le tas. Mais en général, c'est que nos héros sont forcément. Enfin, il n'y a pas de gros héros. Il n'y a pas un gros héros, quoi. Il y a plusieurs bons ou moyens héros, mais il n'y a pas de gros héros. Donc, de toute façon, on a la plupart des îles qui sont à nous, en tout cas au niveau des châteaux. Lui. Ok. On prendra l'or et peut-être qu'on débarquera dans l'autre île au tour d'après, je pense. Alors, chez les elfes, du coup. Pour faire le château, il nous manque du bois, ok. On va en acheter 5. Voilà, on aura le château et je veux plus d'archers. Ça déjà, ça va être fait. Ouais, putain, faut du bois, mais il faut tellement de bois quoi chez eux, c'est à l'enfer. Portail vers un plan élémentaire, d'ailleurs le coin indiqué. Chaque jour vous recevrez des élémentaires du type choisi. Bah non, mais j'aimerais bien plutôt des élémentaires de feu. J'ai pas le quoi changer, merde. Et le coup, c'est pas grave. Elle reste là, Cthulhu. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il a visité.
Facile, méfie des trucs faciles quand on n'a pas beaucoup de troupes, hein. On va faire ça. Bah, moi, je veux bien hein, éventuellement recruter des troupes qui se transforment là. Hein. On peut essayer, hein. Ok, bah on va voir. Si je regardais vite fait, ça me dit quoi? Genre là, c'est facile. Ok, bon, on va gagner un peu d'XP, hein. Refaçonner ces créatures. Et au colossal. Ouais, allez. Puisque le héros fait ça, allons-y, hein. Du bois, ça tombait, il m'en faut plein. On va aller chercher ça là aussi en attendant. On a besoin de bois. Lui, il a plus de sous. Qui reste là. Lui, il va continuer à choper des trucs et à essayer d'aller à l'antiquaire pour vendre. Si on peut passer le combat et avoir de l'or, je dis pas non. Là, pas plus, les autres on peut rien acheter. Déplacer caravane et on met fin au tour. Oui, le rouge, il a un portail qui l'amène de là à là. Rien que ça. Ouais, viens. Ouais, ça doit être un de ses plus gros héros, lui. Donc, franchement, il est pas ouf. Il a largement, largement prenable. Le rose, c'est balade toujours beaucoup en bateau. Je pense pas qu'il ait beaucoup de châteaux, hein. Un, deux maxi, j'en vois pas plus hein, pour moi. On va essayer d'aller le plus loin possible en bateau pour débarquer le plus près possible du château. J'ai l'impression que c'est faisable. La suite au prochain tour. C'est chiant de débarquer ici. On va tester ça après. Là, passer ce combat, oui. Bien oui, c'est vrai qu'elle peut apprendre des choses. Portail au rang 2. Ouais, bah allez. Faire du temps. Faire ça. Lui, il va faire ça. Tiens, bah, va me découvrir là-haut, comme ça m'évitera de perdre du temps avec le bateau. Ouais, si, y a moyen de débarquer, mais c'est pas. On testera peut-être un combat avec lui, on verra bien. Alors, on devrait pouvoir faire l'antiquaire. Parfait. J'ai mal compris ce qu'il fait l'antiquaire? Ah non, oui. Où qu'il soit sur la carte. Ah, mais d'accord, j'avais pas bien lu. Ça se trouve, je me fais insulter depuis 2 heures par tout le monde. Alors comment on fait? Ah bah d'accord, c'était avec ça en fait. Par contre, ça dit pas combien quoi. Ah si. Bah voilà, c'est trop bien ça. Ouais, on va revendre hein, parce que franchement, encore que là. Si on va revendre au moins un torse comme ça, on en a deux, ça sert à rien. J'avais même pas vu ce truc-là, franchement. Bah du coup toi tu peux recruter max là, max là, max et max. Voilà.
Bah du coup on va aller se balader un peu avec toi, hein. Pas de raison, hein. Y a pas de raison. Ah oui, bah ce rythme-là, on va en générer les dragons rouges, hein, c'est clair. Hein. Ok, on manque de bois, c'est vrai. On va en acheter pas mal. Voilà. Ouais, bon, c'est un peu compliqué les combats, mais c'est pas grave. Allez, on va recruter, au moins prendre ça. Fin du tour! Ah! Salope! Si je puis me permettre. Alors, on va commencer, si c'est possible, par placer le maximum d'unités. Bien sûr, on va se mettre en position défensive, hein. Mais c'est pas grave, ça va se payer ça. Ok. Super, merci. Les renforts, c'est quand même pas ouf. Est-ce qu'on peut envoyer? Ça me gave! Voilà. C'est bon, allez, let's go. Eh bah forcément, ouais, ça a nettoyé, ouais, ça. Bim! Voilà, allez vous faire foutre. Essayer de l'affaiblir au max, hein. De toute façon ça va être très compliqué comme combat. Ça, je... Mais punaise, c'est chiant ça. Si je peux refaire une explosion cadavérique, franchement on va pas se priver. Hein. On va attendre qu'il se recharge. Plus on lui fait de dégâts, mieux c'est. Tant que ça avance un peu. Bim! Et voilà. On lui fait le maximum de dégâts, hein. C'est pas grave si on crève derrière. Pas de cadeau. Ouais, tout le monde va crever, c'est la fin. On va fuir. Pas de problème. Cela dit, lui là, qui commence à être bien goldé. On va voir ce qu'on peut aller en faire. Et... qui débarque. Ok, ok, ça débarque un peu dans tous les sens. Si dit là... géomancie... Est-ce que toi, t'as possibilité de le lancer, portail de ville? Ah, tu peux pas. C'est pas grave. Est-ce que par contre... pas de portail. Un bateau dans le coin. Bon écoute, tu vas rester là tranquillement, parce que si je me barre de là, il suffit que je me barre pour que ça va partir en couille ici. Oh, j'ai pas envie. La
Flemme. Là, ça c'est géré. Ok, ça passe. En faire plus. Bah toi du coup débarque pas tout de suite hein, puisque le château va probablement le perdre. Hop. Par contre ici le plan d'invasion ne s'arrête pas. On va pouvoir débarquer ici et aller attaquer le château le plus vite possible. C'est parti. Sans après, ils n'auront pas le choix. Hein. Ils sont 7... Une fois que vous avez plus de château et que vous avez encore des héros, vous avez 7 jours pour trouver un château. Si au bout de 7 jours vous n'avez pas trouvé de château, c'est le game over. Si moi je défends bien tous mes châteaux derrière, ils peuvent rien faire. Alors moi, est-ce qu'ils aient d'autres châteaux au nord hein, ça. Ok, ils ont ramené des héros qui sont téléportés. Parfait. On va aller s'occuper de ça tranquillement. Capturer un objet. On passe. Ce qui fait que du coup, on va pas perdre l'autre château. Parce qu'elle a dû battre en retraite. C'est con. Hein. Donc on est toujours chez nous. Qu'est-ce qu'il fait cet objet? Oh que ça m'énerve les infobulles qui n'apparaissent pas. Bah non mais je vais. Ils sont gentils mais moi acheter un objet que je vois pas ce qu'il fait, c'est pas trop dans mes habitudes. Hein. Bah voilà, je l'ai acheté sans faire gaffe. Écoutez après tout. On va acheter, on revendra, hein, on s'en fiche, la thune c'est pas un problème. Donc ça déjà. Je peux savoir ce qu'il fait. Eh ben plus un régénération. Régénération, c'est ça, chaque moment de la régénération. Ah, c'est pas mal ça. Plus ça, on tire à l'arc, moins en vitesse des créatures. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec tout, on va me ramasser des petits cristaux par ici, un feu de camp là. Rien de plus dans le coin à les prendre, ça il peut pas. Non. Elle c'est bon. Ça c'est fait, donc on va pouvoir revenir garder notre château. Puis recruter surtout à mort. Je pense qu'ici on va recruter tout. De pierre, ok. Pas un problème, on a des sous. Acheter. Voilà, on commence à avoir une armée bien balèze, je pense. Que le froid. Ça veut dire quoi le froid? Ok, bah notre personnage a trouvé le froid. C'est pas ce que c'est. Il a pas compris. Ok, eh ben c'est parti. Bon, vous connaissez la technique à force, hein.
Un là. Un là. Un là. Je peux vous dire que ça va faire mal. Ok. À part ça. Toc, les oiseaux, parce que voilà, c'est rigolo. Eux. Et eux. Ok. Ça fait trop. C'est parti! Enjoy! Et en plus, on a de la mana, mais à gogo. Hein. Ok, il les fait devenir géants, pas de problème, on va mettre du berserk, c'est le moment. Voilà, faites-vous mal entre vous. Profitez-en, ne vous faites pas de cadeaux. Oh la vache, ils sont grands. Vas-y, si moi je peux faire pareil. Non, j'ai fait une évolution. Merde, c'est pas ça que je voulais. Ah putain, non. Oh, le misclic. Oh, le total misclic de ma part. Bon, je pense pas que ça change grand chose, mais quand même. Le PC en PLS quoi. Enfin, le pros j'imagine surtout. Ah, comment ça allait mieux, il y a moins d'unités à l'écran. C'est la victoire. Alors c'est pas la victoire sur le château hein, mais on va la faire dans la foulée. Par contre on a perdu des yétis, on en a plus que 4. Bon, ce qui va largement suffire hein. 1 2 3 4 et ouais, là pareil, on peut séparer ça en deux, plus un là, et c'est parti. Ouais, pas beaucoup de magie par contre, mais bon. Vu ce qu'il y a en face, ça va pas être un problème. Hein. Le nombre de flèches qui sont en train de se prendre. Et voilà, écrasé. Sauf s'ils ont un château caché plus au nord, ils n'ont plus de château du tout. Coût en ressources des créatures, ouais, c'est pas mal. Tactique, faut être niveau 26.
Corps et âme, maîtrise. Yeti blanc, faut améliorer corps et âme, on va faire ça. La rame. C'est l'horreur. J'imagine que tout est fait, bien évidemment. Parfait. Voilà, plein de nouveaux sorts. Plus qu'à leur piquer tout leur bâtiment. Pour les affaiblir encore un peu plus. Mort au rouge. Et je crois qu'on va mettre fin à l'épisode ici, il est bien assez long. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que vous avez apprécié une fois de plus ces petits épisodes. Et je vous dis à très bientôt pour la suite sur les Jeux du Cygne. Merci tout le monde, à bientôt.